Ah oui, on a célébré les Sacré-Cœur de Jésus Oui, le oui. vendredi du mois. Comme c'est aussi le premier vendredi de la rentrée, il y a tellement beaucoup de gens qui sont venus parce que il fallait faire un peu l'ouverture. Ah, c'est ça. Oui. C'est vraiment une bénédiction pour nous hein, de voir qu'un bon nombre de chrétiens, de fidèles paroissiens qui viennent toujours prier et c'est beau de célébrer l'amour de Dieu. Et ces week-ends, nous célébrons le 23e dimanche. Toi, tu célèbres. Mais c'est pas le soir, c'est oui, ça? Oui, moi je célèbre le soir avec la messe des jeunes. Ok. Cher Père, juste une petite information, j'ai commencé le film. Laurent, excusez-moi, hein? Mais voilà. Donc enchaîné. Mais non, c'est formidable comme tu es là. En fait, moi je célèbre à 10h30, eux aussi demain, le soir à 18h. Et comme c'est le 23e dimanche du temps ordinaire, tu parles de quoi? Je vais parler de la guérison des sourds. Okay. Vous voyez. Les sourds qui à la rencontre avec le Christ, a été guéri et a commencé à parler. Donc moi aussi, je vais partir de cet aspect pour voir aussi comment nous aussi, même si nous parlons, nous sommes d'une autre sous-forme, nous sommes des sourds aussi. Et avec la rencontre avec le Christ va aussi nous apprendre à parler. Mais à parler de quoi? À parler de son évangile, à parler de tout ce que nous pouvons dire de bien envers nos frères et sœurs. Voilà un peu, je vais essayer un peu de prendre ça. Dans ce sens-là. Moi, je crois aussi, j'aborderai le texte dans cette dynamique, hein, parce que la notion de la confiance me semble être importante. Déjà avec le prophète Isaïe dans la première lecture, hein, quand il demande au peuple d'Israël, soyez forts, car votre Dieu est là, il vient vers vous, ne désarmez pas. Et je trouve que c'est important aujourd'hui dans notre monde que nous arrivions à vivre avec cette foi, de convoquer toujours la foi en Dieu. Et Jésus en guérissant effectivement ces sourds qui avaient des problèmes pour parler. Hein. Donc il va crier vraiment avec ce que nous évoquons lors de nos baptêmes, la célébration du baptême. Ephphatha, ouvre-toi. Non, le Seigneur voudrait et ouvrir bien, bien des choses dans notre vie. Il y a des choses qui sont tellement bloquées. Et il va crier Ephphatha, ouvre-toi. Et quand il dit Ephphatha, ouvre-toi, ce n'est pas seulement pour ceux qui croient en lui, même tous ceux qui ont rejeté la foi, tous ceux qui ne reconnaissent pas sa présence, sa transcendance, le Seigneur se donne toujours pour toutes ces personnes-là. Alors nous chrétiens, nous sommes heureux d'avoir ce Dieu qui vient vers nous, qui nous encourage, qui nous réconforte. Pourquoi ne pas garder cette foi en lui, cette confiance? Non, c'est formidable d'avoir Dieu. Et je trouve que c'est important d'inviter les chrétiens ce dimanche alors. Hein? Justement. Alors on leur dit tout simplement... À dimanche, en paroisse. N'oubliez pas cette confiance, Laurent. Avec le congrès mission que nous organisons, nous allons parler aussi de cette confiance avec l'Esprit Saint. Alors, nous invitons sur toutes ces personnes qui traînent encore le pas, 27, 28, 29 septembre, ici à Sainte-Madeleine, pour le congrès mission. Ne ratez pas l'événement. Amen. Alléluia. Alléluia.